بلادنا باسكو الا تقدرنا على وهران عندها لي زيتون عندها لي سيمبول في الكاب كاين على الاولى في الراي نقولوا كاين الحسني وفي الحركه النضاليه في وهران نقولوا عندنا فاطمه بوفنيرو هذا شيء يشرفنا سيمبول فاطمه وي يشرفنا وانا شخصيا بعد ما سمعت هذه الشهادات نقول صحيت سي صايفي الاقتراح بالفكره ونحس على الاقل درت حاجه لفاطمه في الباركور تاعي وبالتالي نشكروك ونشكروا كاع اللي جاو ان شاء الله ما تكونش هذا الاولى وهذا اللقاء الاخير لانه النضال تاعها مش التكريم اذا نحبوا فاطمه عندها مشروع وعندها افكار وعندها نضال وعندها قناعات ماذا بينا نعطوها بليس دو فيزيبيليتي Tu peux ajouter quelque chose, madame. Si elle est connue pour son militantisme dans la société civile, elle est aussi connue avec son militantisme à l'université, dans le domaine de l'enseignement supérieur. Au moment où tout le monde cède ou démissionne ou ils sont dans l'ignorance, elle est toujours dans la résistance pour avoir... Sa note a toujours une grande crédibilité. Si vous avez une bonne note chez Madame Bouffnik, c'est-à-dire que c'est votre note et que cette note a beaucoup de crédibilité. J'ai eu la chance de travailler avec elle, mon mémoire de master. Nous avons travaillé sur un thème très récent à l'époque. C'était sur l'impact du Covid, sur le système financier. C'est en 2021. Tout le monde m'a dit que j'ai tort et que je ne peux pas concrétiser ce travail de mémoire. Elle a toujours cru en moi, en mes capacités. Nous avons bossé ensemble jour et nuit durant ces 4 mois. Et c'est grâce à mon travail avec elle dans cette mémoire de master que j'ai pu être retenu dans le concours de doctorat dès la première essai. Et c'est principalement ce que j'ai appris avec elle qui m'ont aidé pour concrétiser ce parce que le thème est devenu un thème institutionnalisé. Institutionnalisé, oui. Et elle est toujours connue avec sa rigueur, et elle est toujours dans le vouloir du bien pour toutes et tous ses étudiants à l'université. Et si je vais continuer à parler, je ne vais pas terminer jusqu'à demain. Donc je préfère m'arrêter ici. Laissez M. Safi Takali à qui m'en parle. En tout cas, s'il y a une académie de militantisme, ça sera à toi que ça sera décerné, parce que tu m'as appris en tous les cas le militantisme. Et quand je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, la pression de la société, la pression des pouvoirs publics, les activités qui n'arrivent pas à se mettre en place, et j'ai envie de tout bazarder, de tout laisser tomber, depuis le temps, on a regardé pas, on est là. Non, je vais continuer. Donc c'est grâce à toi que je tiens encore dans ce cadre de la société civile et que je continue en tous les cas. Et c'est grâce à toi aussi, parce que c'est vrai que quand tu dis que je suis là pour transmettre et pour justement garder la mémoire, tu transmets beaucoup. Nous, au niveau de Graine de Paix, au niveau de l'association, c'est grâce à Fatma qu'on a appris à mettre en place des programmes qui sont dédiés à la prévention des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Et depuis justement qu'on travaille avec Fatma et avec Fad, on arrive à structurer nos programmes et on arrive encore à mettre en place des actions. En tout cas, merci beaucoup Fatma. Moi, c'est une petite question, je ne sais pas s'il y a des témoignages, encore je préfère que des témoignages se terminent d'abord. Donc, une petite question, Fatma, parce qu'à travers Fatma, on voit des Fatma. Et il y a un parcours, mais plusieurs parcours dans la dame. Voilà. Donc, la femme, dans la femme. Donc, Fatma, je ne sais pas si tu veux répondre ou non, je ne sais pas d'où vient toute cette force, ce courage. Est-ce que tu étais sujette d'une injustice en étant jeune? Est-ce que je ne sais pas, parce que normalement, quand on fait une chose, c'est qu'il y a déjà derrière quelque chose qui nous pousse. Donc, ceci est dur. Peut-être des jeunes de ses ancêtres? Non, mon modeste est ma mère.
Voilà. Chacun et chacun de nous a son propre modèle. Alors je l'ai dit un jour et je l'ai déclaré dans des émissions de radio, de télévision, des journaux. J'ai toujours dit que mon féminisme à moi, il ne m'est pas venu de l'Occident. Il est venu de la vie populaire de ma mère. Et donc j'ai vu ma mère comment elle a mis toutes ses énergies pour nous élever, nous, ses enfants, on était trois filles et un garçon, et comment elle a tout fait pour qu'on mette en premier lieu quelque chose qui nous permet de sortir d'une condition qu'elle ne la satisfaisait pas. Et donc elle nous disait, vos études avant. Elle est arrivée en terminale, je voulais quitter, je ne voulais pas aller à l'université pour aller enseigner. Elle m'a dit, qu'est-ce qui te manque? Ma qu'est-ce que tu sais? Ma qu'est-ce que tu as? Ma qu'est-ce que tu as? Mais je sais quoi? Mais je sais quoi? 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 Prends ton autonomie et vas-y chez toi. Tant que tu as une affaire à ton taro, tu as une croix, tu as une croix. Et c'était la même chose pour mes deux sœurs et mon frère. Elle nous a poussé dans la limite, donc jusqu'au bout de nos capacités. Et quand on arrivait au bout de nos capacités, elle nous laissait donc prendre en toute autonomie et faire nos choix. Donc c'est de là où j'ai puisé mon énergie, où j'ai puisé mon exemple de vie. Bien sûr, ma vie, c'est pas le vécu de ma mère, c'est mon vécu, parce qu'il y a la génération, il y a des acquis d'une génération par rapport à la démocratisation de l'enseignement, les possibilités que nous avons eues, nous, quand on a terminé nos études, donc de pouvoir travailler sans difficulté, contrairement aux générations actuelles. Et après, bien sûr, il y a aussi mes difficultés qui m'ont aussi forgé. Moi aussi, j'ai rencontré des difficultés dans ma vie de couple, dans mon environnement, dans mon travail. Et comme j'étais déjà donc outillée pour les affronter, j'ai ramené ma dose et la chose qui m'a le plus déterminée pour passer dans le combat collectif. كنت كملت الدراسه نتاعي كنت استاذه يعني كانت ماديا ما كانش عندي اشكال ولكن شفت الصعوبات اللي تلقيتها انا امام هذا القانون اللي انا مع زميلتي جميله كنا ناضلنا باش ما يصدرش النص 82 للاسف في 84 النص اصدر دونك الى ايتي بروموفي ça me rend triste mais ça me rend aussi fière que nous soyons tous aujourd'hui femmes et hommes dans cette salle pour rendre hommage à Fatma. Et il faut dire aussi que ça me manquait nos histoires de d'engueulades et c'est-à-dire Fatma, je l'ai connue fin 90 et 2000. Ça, on s'est connus directement, ça y est, on est dans le bain. Dans le bain, et ça y est, on faisait des activités ensemble, on squattait chez elle, la femme, d'Ebzoumna, non, t'as pas raison, non, t'as tort. Mais c'est toujours autour de causes qui nous semblaient nobles et qu'il fallait défendre, et c'était en fait les débuts 2000, je parle des débuts 2000, je suis qui maintenant à 80. Je parle de 2000, bien que 2000 c'est 24 ans, déjà 24 ans en arrière. Tantisme que vous n'avez pas connu, c'est-à-dire que j'ai fait aller comme non, c'était Haja Wahdoura, c'était les années 90 et tout ce qu'on a vécu lors de notre jeunesse. Vous aviez déjà des années avant et des luttes avant. Mais l'un n'a pas empêché l'autre de créer d'autres dynamiques, d'être heureux ensemble, de partager des moments très douloureux ensemble, d'avoir perdu en cours de parcours des personnes qui nous étaient chères et de faire de belles choses.
Et aujourd'hui, Fatma, d'ailleurs, toujours lorsqu'on s'écrit, je te dis, ma Fatma adorée, je le pense sincèrement. Et ça me fait vraiment plaisir que je sois là. Et من عيال نهضر معي وكاع الناس تهضر دارت قالت منا بصح فاطمة غير فاطمة زعما on la connaît tous et puis Fard a une histoire, ce local a une histoire, beaucoup d'injustices autour de ça, beaucoup de et j'en passe, les dernières lois sur les associations où il fallait se réunir pour essayer de faire des trucs, pour essayer de faire sortir ces associations là qui ont subi de très grandes injustices. Et c'est tout ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours, de ma jeunesse, on va dire, de ma jeunesse et jusqu'à maintenant. Maintenant chacun a son parcours. Moi je ne viens pas souvent parce que justement durant ce parcours j'ai été aussi beaucoup déçue et avec la déception a fait que je m'éloigne de plus en plus. Et puis bon, déception en plus du travail, du quotidien. Mais le militantisme, pour en revenir, le militantisme c'est au quotidien. On est femme tous les jours, on n'est pas femme le 8 mars. Et nous sommes citoyennes tous les jours et pas uniquement un jour de l'année. Donc, que te dire Fatma, c'est un plaisir de te revoir. Et longue vie à tous ceux et celles qui sont là et à d'autres rencontres et belles rencontres. Très souvent, on a envie. Le petit nourrit, très souvent, on a envie de prendre du repos. Ou voilà, Fatma, tu as vu les Fatma d'exister, tout ce qu'elle fait. Tu n'as pas le droit de faire ce genre de pas en arrière. Merci beaucoup, Fatma, de partager ce courage, cette positivité. De m'accueillir à chaque fois, j'ai la nationalité, c'est bon. Et puis, là je pense comme camarade féministe, c'est une école, c'est très important. Aujourd'hui d'ailleurs, notre projet principal et le plus important, la tournée du journal féministe algérien, tout l'espace qui est à Fatma. Donc Fatma, merci beaucoup. Mais je vais t'attirer le petit entourage tag, mais c'est aussi Figa, notre entourage Tana, Figa Khadmatana. Je pense que Hataf les lieux individuels Tana quotidien, il y a un bout de Fatma, donc merci beaucoup. Ah oui, en parlant de reconnaissance, je ne serai pas à la hauteur de ce que j'ai dit si aujourd'hui je ne me plie pas et salue mon enseignante, Madame Belsetti. Parce que par rapport à il y avait l'UNFA à l'époque. Absolument. Mais quand même, l'UNFA était. Il y avait un courant de femmes qui étaient donc des militantes pour l'égalité. Oui. Et parmi ces femmes, il y avait notre enseignante de français, Madame Houaïa Bessetti. Oui, j'en parlais et je crois que tu as bien saisi la leçon. Hein. Absolument. Donc, je vous assure. Ça fait partie aussi de mon modèle, de mon deuxième modèle moderne. Absolument. Parce que ma mère, c'est le populaire, le traditionnel. Et Madame Bessetti, je ne peux pas, d'ailleurs je dis toujours Madame Bessetti, mon enseignante. De temps en temps, j'arrive à dire oui, il y a de temps en temps, parce que sa place. Et moi, je le dis en tout cas, vraiment, je suis le professeur et je le dis avec fierté, je suis très fière de voir que l'élève a dépassé le maître. Absolument. Maintenant c'est moi qui suis fière d'elle. J'avais pris un petit truc qui brille avec votre l'initiale de votre prénom. Donc j'espère que vous allez autant briller que. Merci. Brillante idée. ان شاء الله ربي يطولها في عمرها باسم الشيرات اللي معانا نتمنوا لها طولة العمر والصحه وربي يجازيها على كل وقت خصاته معانا دارت معانا دور الاستاذه دارت معانا دور الصديقه
دور الام والدور تاع الصح بيحسينا بيه سيرتو اللي ما عندهاش امها دور الام ربي يجازيها خير وربي يكملها ما يتمنى بون فاطمه هي مدرسه تاعي فاطمه هي اختي الكبيره ما نجوش نقول ما اختي فوالا هي اختي الكبيره هي المعلمه تاعي هي تزعف عليا هي تقول لي نمشي كيما هكاك هي تقول لي كملي زيدي ما تخافيش هي فيها الشجاعه فيها قوه فيها عدم الخوف فيها فيها واحد القوه الدخلانيه اللي ما تنجمش تحبس كون تقبل دير حاجه الا تكملها يا ولو كان بوالو بوالو تقول لك نديروها الا كاين ايفينمون نديروها نديرو داك ليفينمون اللي قي ندار وندار نيشان اكزاكتومون ما ننساو والو وهي علمتني بزاف صوالح وخلاتني نتبدل في حياتي انا بيرسونيلمون تبدلت بزاف في حياتي وليت نشوف الدنيا واحد اخرى وتعلمت منها وما ننساش بلي فاطمه عندها احساس عندها عاطفه هي كيما حنايا تبكي تضحك تعجبها الحاجه تريد هذه الحاجه نقول خصني بسيكولوج انتيا الناس تكلت عليك في بزاف صوالح ولقاوك انتي لس حقيتي الحاجة راني هنا قضيت تتكلي عليا نهضر على روحي سيت ا بيزوان دو دو هيرو دو هيروين دو موديل مو جو لي تري بليزيور فوا في لا باسيون اريا دوران اي جي رامي ما فيس ا باليون بور اتر نوري ا لا بون ايكول اه برافو Alors, on était dans le cinéma. Bon, d'abord, Fatma, tu as le même prénom que ma mère. Alors, quand j'entends Fatma, je pense à ma mère. Alors, pour le cinéma, bon, on était sur l'association Cinépop avec Mélanie Dhaj. Et bien sûr, bon, on passait des films à la cinémathèque avec des bars et tout. Et puis, Amen. Je vous remercie.